bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, 4K si vous pouvez, 60 FPS, évidemment, faites-vous plaisir au maximum. Quel régal d'ailleurs une fois les vidéos en 4K. Et n'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire, je demande dès le début, mais là, je suis sûr que t'avais oublié, hein, on va pas se mentir, t'avais totalement oublié, donc oubliez pas. Sinon je vais forcément me fâcher, et j'ai pas envie de me fâcher. Regardez déjà comment je m'en prends en vitre, j'arrache tout, et comme d'habitude, un petit truc à boire, à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble, donc faites-vous plaisir, parce que le plaisir avant tout, et on est à l'arrière d'une boulangerie, je crois, me semble-t-il, une petite boulangerie, enfin un petit truc avec... avec de quoi manger et tout, et ça, quel plaisir. On a fouillé ici, on a fouillé ici, on a fouillé toutes les boutiques, on peut continuer notre aventure incroyable, et c'est juste en face, normalement, on n'a rien loupé. Je fais comment pour monter? Merde. Ok. C'est comme j'ai stressé. Tiens, j'ai stressé, j'ai stressé. Ouais, parce que le Tommy, Tommy, ça serait chiant qu'il, hein, qu'il tombe aussi quand même. Après Joël, Tommy, là c'est sûr, ça fait beaucoup quand même. Hein. Allez hop, on met un silencieux, on sait jamais sur un malentendu. Ouais, je casse tout là, ça m'aime. C'est stylé qu'elle fasse ça. Okay. Ah, pensons-y, pensons-y. D'accord. On a une petite lettre. Alors, dis-moi tout, mon cher ami. Bon, c'est Boris. Les wolves se sont introduits dans le QG de la Fedra et ont trouvé la liste des effectifs. J'ai entendu dire qu'ils allaient de maison en maison à la recherche de soldats. Je refuse d'être exécuté dans ma propre ville. Quand les choses se seront calmées, j'essaierai de revenir sous une nouvelle identité. Je n'ai pas trouvé Alfie. J'ai laissé son stock de nourriture sur ton porche. Si jamais je ne reviens pas, fais-lui plein de caresses de ma part. Il vous a toujours aimé, Sophia et toi. Yolanda. Très, 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 très bien. Donc, Yolanda, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'elle veut. Je trouve beaucoup de munitions. C'est que va y avoir une très grosse phase d'action, à mon avis. On peut aller derrière, on peut aller, bah, comme d'habitude, hein, on peut aller un peu partout. Je peux monter sur le toit. C'est terrible, il y a beaucoup de choses à faire. On va repasser sur l'allée principale, sur un malentendu. Peut-être pas mal, non? Je sais pas. Non? Ok, je viens d'ici. Et d'ailleurs, tiens, c'est bon. Voilà. Alors, on peut passer ici. Ah, pardon. On peut vraiment rien faire là? Voilà, quand je suis énervé. Moi, faut pas m'énerver. Voilà. Je casse tout. Tiens donc, pourquoi on ne peut pas passer par là? On ne sait jamais. Oh, 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 je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé, petite coquine. On est parti! Voilà, bien sûr qu'on y va, vous inquiétez pas. Ah, dégueu. On a connu pire, Ellie. On va pouvoir déverrouiller de l'intérieur et ça, c'est très, 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 très bien. Plutôt une bonne nouvelle. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ces cuisines pour que ce soit verrouillé? Fais-moi rêver un peu. Que dalle. Putain. J'ai vraiment rien, tu vois. Ah, si des munitions, ça va, c'est pas trop mal. Je suis full life. En vrai, on s'en sort tellement bien que j'ai besoin de rien à l'heure actuelle. Ah si, peut-être ça. Peut-être ça pour mon snipes. Pour enfin équiper d'une lunette. Ça serait vraiment, vraiment le fire. Ok, on se casse. Toujours rien. Un peu déçu, je vous avoue. Je m'attendais à clairement mieux. Je m'attendais à clairement mieux et malheureusement, c'est pas le cas. On va passer par là. Hop, allez sur le toit. Et on va voir un peu sur qui on va tomber. Alors, messieurs, dames, toujours rien pour le moment. Ça va, hein, ils se rabusent pas en plus niveau action. Ah, j'ai peut-être ouvert ma gueule. J'étais sûr. On sécurise le périmètre, donc on n'a pas d'autres ordres. Ouvre l'œil, au cas où il se pointe. J'ai quelque chose. Oh, merde, désinfecté. On commence. Tu crois que ce type a un lien avec la fille de l'école? Si c'est pas le cas, c'est une putain de coïncidence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut se bastonner. Mais là, ils peuvent se cacher n'importe où.
C'est clair. On le trouve. Et après, on rentre. Bon, allez. Ouais, mais frère, c'est trop. Alors, vous avez quelque chose ? Tous les magasins. Oh là là! Ça marche. On va jamais être tranquille, hein, c'est pas vrai. Hein. Désolé, je retiens ma respiration. Sachez que je suis un peu comme vous, tu vois. Je retiens vraiment ma respiration. Là, j'étais en mode, ok. J'ai pas envie de me faire cramer. Putain. Elle a dû flairer un truc. Qu'est-ce que tu sens ? Oh non ! Il se passe un truc. On s'en charge. Allez. Faut partir. Faut partir, je t'ai dit. On va aller voir. Y'a rien. On y va. Oh là là, d'accord. Oh là là, j'ai chaud, hein. Désolé le chien. Ok. M'occupe du bâtiment. Hé hey, elle est là. Putain de merde. C'est incroyable qu'ils viennent pile poil ici. Hein. Ok. Cherche un autre angle. Je m'en charge. Hop. Bordel ! Tu te charges de rien, ma grande. Qui veut se charger de quoi, là ? Hein ? J'entends pas. Okay. Ah ouais, bande de bolos. Allez, ça dégage. Bon ! Bah c'est dommage. Encore une fois, c'est une infiltration en demi-tente. Mais au moins, on va pouvoir réussir à tout fouiller. Bon, c'est plutôt pas trop mal, on va pas se mentir. Donc, on prend quand même. Je me suis crafté très rapidement des molotovs. Non, je suis pas peu fier. On s'en est très bien sorti. Félicitations, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames. D'ailleurs, en parlant de ça, hop, n'hésitons pas à nous en faire une. De toute façon, on n'a pas perdu de vie. On est littéralement des monstres. Alors, donc là, on n'a rien. On a quasi fouillé, bon là on va fouiller tranquillement, on a juste à ramasser, c'est ça qui est cool. Tu vois, on va sur les corps, ouais, pas de munitions malheureusement, heureusement par contre j'ai beaucoup de balles. Si je prends celui-là par exemple, mais oui, je suis tellement bien en vrai. Malheureusement on peut pas passer ici. Les rideaux sont totalement fermés, hop ça, on prend de l'eau. Ah j'aurais pu passer par là, ils étaient nombreux en vrai, hein. Franchement,
En fait, ce jeu, à mon avis, se refait en full infiltration, tu vois, sans jamais être cramé et tout. Je pense que ça peut vraiment être très bon délire pour le coup. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais, et puis c'est mon premier run, surtout. C'est mon premier run. Mais je pense que ça mériterait d'être refait en quinconce. Vous voyez ce que je veux dire? Rien du tout, là? Attendez, regardez-moi, je sais pas, fournissez quelque chose. Fournissez quelque chose. Il y a vraiment... En vrai, on aurait pu se battre sans tirer une balle. Je suis sûr qu'on aurait pu se... on aurait pu se tirer sans tirer une balle. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Dommage. La prochaine fois, peut-être. En plus, regardez tous les chemins qu'ils ont créés. Allez, hop. Faut aller, évidemment, à la porte la plus rouge du jeu. C'était la sortie. On aurait pu y aller sans problème, en vrai. Tant pis. Ah, quoique, il y a la phase où il faut l'ouvrir. Ah là, zone suivante. Zone suivante. Yo, Tommy. Hop, on va fouiller ici. Il n'y a rien. Voilà, il va y avoir encore du monde. Hein. Ça va être de zone en zone. Ça va swinguer. Par contre, j'avoue que les chiens... bien embêtant. Ça va que ça a pas l'air de résister aux balles, heureusement. Je sais pas pourquoi, mais dans la plupart des jeux, les chiens résistent énormément aux balles. Mais là, ça va, il est tombé assez vite. Je crois qu'il est tombé en une balle, d'ailleurs. Avec le revolver de Joël. Ok, il y a rien. On peut pas aller là-dedans, je crois. Très bien. On se casse. Ah d'accord, il va falloir jouer avec la poubelle. J'adore. J'adore. Ok. T'as entendu? Alors, grâce à cela, si tout va bien, regardez bien, on va pouvoir l'emmener là-haut tranquillement. Et on va pouvoir passer par-dessus. Par contre, est-ce que je... Là, c'est pas possible parce que c'est en pente. Réfléchissons 5 minutes s'il vous plaît. Je pense que c'est là hein, le meilleur move. Hein. Et encore, même là c'est en pente, hein, c'est un peu con. Hein. Je sais pas, je pense pas que ça passe. On va voir. Ah, avec l'herbe peut-être. Ça passe. Pas de soucis. Ça a marché. Ok, garage. Qui dit garage dit peut-être établi, ça serait sympa. Établi. alors, ça je prends. Ça, ok. Là, on a une petite porte. On a un message, on va le lire, évidemment. Et c'est une belle, belle longlette. Boris ! Je suis vraiment désolé, c'est horrible ce que ces wolves ont fait à Sophia. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. J'ai poussé tout le monde à tenir tête aux wolves quand elle s'est mise à peindre par-dessus leurs règles. J'aurais dû faire plus pour l'en dissuader. Je ne t'ai rien dit. Je pensais qu'elle arrêterait. Je sais que tu veux te venger des wolves. Tu peux me croire, moi aussi. J'en meurs d'envie. Mais c'est impossible. Pas maintenant. Il faut qu'on soit plus malin. Qu'on laisse les choses se tasser un peu. Les gens vont se tourner vers toi pour savoir comment réagir. Après l'épidémie, tu étais considéré comme un chef ici. Il faut que tu redeviennes ce chef. Sinon, tous nos efforts n'auront servi à rien. Uli ! Uli. Ok, oh, bien ça. Et là, on n'a rien. Bon, on va à l'établi. Hop, et on va se régaler. Petite lunette de snipers. Allez, régale-moi, Ellie. Alors, petite lunette x6. Ça, quel plaisir. C'est parti, ça crafte très vite, ok. Voilà. Là, ça va être beaucoup plus intéressant. En plus, dégâts up. En fait, j'ai up quasi... Bah, j'ai up les dégâts sur tout ce que je pouvais. Fusil à pompe, en vrai, même la capacité, je l'utilise tellement peu. C'est très, très bien comme ça. Là, je vais vraiment tout donner dans le snipes. Ouais. D'accord, ok. Hop, désolé, je m'énerve. Je pensais qu'il y aurait un zoom un peu meilleur. On est sur un combien, là? C'est un zoom x6.
Du foutage de gueule, les gars. Hein. Un peu du foutage de gueule. Je sais bien que c'est la survie, mais quand même. Magasin de vélo, on adore les vélos. Y'a rien d'autre? Il faut que j'arrête de taper dans le vide, c'est horrible, désolé. En fait, j'ai le mauvais réflexe d'appuyer sur carré pour recharger, comme dans trois quarts des jeux. Et dans celui-ci, c'est R2, donc ça, c'est assez terrible. Ok, j'ai cru qu'il y avait... j'ai cru entendre quelque chose. Mais point du tout. On va passer par là, petite cascade. Ok, y a rien. Rien non plus, c'est déjà cassé. Allez, régalez-moi là, un peu, là. J'aimerais faire des aventures de ouf, là. Oh, voilà, ça, c'est de la régalade, ça, par contre. J'en demandais pas tant. 2 balles en plus, c'est nickel. Ça, pour un malentendu, ça peut le faire. Ouais, mais je suis fou, là. En vrai, je perds pas de vie et tout, franchement. Je vais pas faire le gars, hein. Quoi? Merde. Puant. C'est trop, frère. Ceci n'était point prévu. Ok. Ils sont 2, franchement. Même pas peur. Tu vas voir, frérot, même pas peur. Regarde bien ce qui va se passer. Touché. Même pas peur. Eh ouais, mais ici, j'ai appris des plus grands, les frères. C'est bon. Oh, qu'est-ce que ça pue. Même pas peur, vous avez vu? J'ai horreur des puants. Tu prépares bien le terrain, frérot? Y'a plus rien. Plus de son, plus d'image, ça dégage. Hein. Regardez. On peut même se faire un petit kiff. Hop, s'en refaire une. Voilà, tu vois? Ça me fait pas peur. Ici, on est carré, les gars. On est carré de ouf. Oh là là, c'est trop ça. Régalez-moi s'il vous plaît. Je me plaignais de pas assez être régalé, par contre je sais pas ce que je fous là, hein, les gars. Je suis rentré dans le premier truc que j'ai vu, j'ai fait « Ah, oh, trop bien, sous-sol, je vais me faire arracher la gueule. » Je suis rentré dedans. Ok, là peut-être sur un malentendu des petits trucs sympas. Mes couilles, mais bon, on y va quand même. Là, bonjour messieurs, bonjour mesdames. En vrai, j'ai, voilà, sans faire l'arrogant... Je pense que sur cette action-là, j'ai été monstrueux. On essaye de varier les choses. De toute façon, j'ai toujours pas vraiment saisi comment les arracher discrètement. Donc, en soi, on fait ça avec des pièges. C'est la chasse, mon pote. Et puis, oubliez pas qu'on a fait un let's play sur le dernier Tomb Raider. Donc, la chasse, ça me connaît bien. Un magasin de jouets, maintenant. Très bien. Ok. Ah, s'il te plaît. Allez, allez, un petit effort. Très bien, merci à toi. Oh! Oh là là, un nouveau manuel! Oh le chasseur moderne. 10 lunettes de fusil de chasse. Ok, très bien, très très bien. Eh ben, c'est nickel, regardez-moi ça. L'arc précision. Et il y en a encore un autre, incroyable. Améliore la stabilité et la précision de la visée quand vous vous déplacez. Oh, tout ça, c'est tellement intéressant. Très bien. Eh ben, merci. Merci la zone. On peut continuer. Hop, cascade. Bon,
Quelqu'un veut me tester peut-être? Dans le quartier? Allez, faut pas se déconcentrer. Faut grimper là-haut. Comment je fais pour atteindre l'escalier? Ok. Ok. En fait, je suis sorti de l'autre côté. D'accord. Bon, j'ai utilisé une balle et un peu endommagé. Comment on appelle ça? Oh, ça je prends. Ça, évidemment, qu'on prend. Et un peu endommagé encore une fois. Il est à combien d'ailleurs mon accessoire, si je puis me permettre? Il est à 2. Il me reste 2 utilisations qui one-shot. Un vrai salon de tatouage. Et je rappelle qu'Eli a un tatouage. Hein, et se l'est fait d'ailleurs. Est-ce qu'on aura un flashback à ce sujet-là? Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez, une petite note! Bon! Uli, tu sais que nos cœurs resteront à jamais à Hills Crest. Mais après la mort de Sophia, on a décidé de se rendre au stade avec les autres. On pense d'abord à nos enfants, la famille Brennan. PS, on a croisé Boris il y a quelques heures. On a essayé de lui parler, mais il avait l'air bizarre. Tu devrais aller le voir. J'espère que vous nous rejoindrez. Très bien. Très très bien. Hop. Ça en ouvre. Malheureusement, il n'y a rien. Et on peut se casser. J'ai beaucoup de balles. En vrai, je suis bien. Hein. J'ai pas mal de balles de pistolet. On est dans une supérette. Pourquoi il y a un suspense comme s'il y avait du monde là? Qu'est-ce qui se passe? L'ambiance est très chelou. Non? On va tout fouiller. Ouais, voilà. Bon, c'était sûr en fait. C'était sûr. Ok. Oh putain, 16, c'est énorme. C'est génial, c'est que de l'amour. Monsieur. Alors, une petite note. Note sur la trahison envers Boris. D'accord. Voir dans objet à collectionner. Ah d'accord, vu qu'on était dans le cœur de l'action, on avait préféré pas lire la note pour pas me... Très bien. Refaire un silencieux. Allez. C'est fait. 3 utilisations de silencieux. Hein. Ça, c'est terrible à ce niveau-là. Hein. Ok, un bar. J'adore les bars. Ça tombe très bien. Hop, ça s'est pris. Ok. Ouais, chelou, y'a rien. Alors, encore une note. Salut! Dave va passer et te demander le code du coffre. Mais accompagne-le plutôt au garage et ouvre-lui toi-même. Sinon, il va te reposer la question 8 fois. Le code 308265. Faudrait parler à sa femme. Je sais qu'elle a envie de croire que ça va s'arranger. Mais il est temps d'accepter la réalité. Il paraît que le WLF a de vrais docteurs dans sa base. Personne lui en voudra si elle partait. Sauf Boris. Mais c'est un con. 308265. 308265. Déjà, on va commencer par la porte. On est à notre objectif. Donc, info sûre, regardez bien. Le gars... Oh putain, il faut y passer à côté de tout. Faut vraiment tout regarder dans le jeu. Tout. Là, le moindre bar, en vrai... C'est pour ça que je fais des cascades, tu vois, je me permets des trucs, mais... C'est le seul moyen de passer à côté du moins de choses possible. Et salon de tatou, on l'a fait. Là-haut, on ne l'a pas fait. Attends, mais le garage était derrière, non? C'est bizarre. Salon de coiffeur. Forcément, il y a des ciseaux. Ça reste cohérent jusqu'ici. Bon, là, il n'y a rien. Ok, ça c'est fait. C'est dans la popoche. Garage, non? Ok.
très bien. Matez ça. Je me fais arracher gratuitement, frère. Allez. C'est pas vrai. J'ai été surpris. Voir trois personnes comme ça là-dedans, là, qui dansent la polka. Ils étaient enfermés ici depuis des années. Ok. Ça, c'est un garage, hein. Donc, il y a forcément le coffre. Pas à moi, Zinedine, hein. Pas à moi, Zinedine. Je veux le coffre. Je suis pas venu ici pour souffrir. Oh, ça je prends ça par contre. Les balles de pompe sont suffisamment rares. Bien l'impression que c'est... Attends, quoi? Je suis venu pour ça? Non, tu déconnes. Yes. Bon. C'était combien la note? C'était quoi? Note sur la trahison, ça, c'est vrai qu'on l'avait pas lu. Uli, c'était Boris. Je l'ai vu abattre cette patrouille WLF au pied de leur fourgon. Bon sang. Je sais bien qu'ils ont tué sa fille, mais là, il vient de signer notre arrêt de mort. Notre seule chance de nous en tirer, c'est de le leur livrer. Je sais que c'est ton ami, mais si les Wolves ont tué cette fille à cause de ses graffitis, imagine un peu ce qu'ils nous feront. À tous. S'ils pensent qu'on cache le type qui a tué trois des leurs, retrouve-moi à l'endroit habituel après le couvre-feu. Ok, et le code, c'est 30-82-65. Très bien. 30-82-65. Je sais qu'il y a une technique où il faut attendre les tacs. Eh les gars, j'ai pas que ça, faut que je rentre direct le code. 30-82-65. Voilà, là c'était, ça fait un bruit un peu bizarre, enfin un peu plus claque. Mais imagine, tu le fais ça pour tous, c'est un enfer. 30-82-65. Autant qu'on ait directement le code, hein. Ici on n'est pas des 1, hein. J'ai pas que ça à foutre, hein. Oh, oh, oh. Ouh là là. Ouh. Ah, nickel. Putain de merde. On va pouvoir avoir deux armes lourdes, plus facile à changer. Étui d'armes longues. Voilà mon pote. Hop, on va d'ailleurs reload. Voilà. Nickel. On va recharger ça aussi. Eh ben c'est un régal. C'est un épisode encore de main de maître. Hop, on prend tout. Je sais que je peux tout faire en restant appuyé sur triangle, mais ça me permet là de voir tout ce que je peux avoir. Eh, impeccable ou pas? Impeccable de chez impeccable, entièrement mérité tout ce qui s'est passé. On peut se barrer. Je pense pas qu'il y ait autre chose dans cette zone-là. Let's go. Un nouvel étui, ça c'est fait. Ça, plus l'art, pour plus les deux guns et tout. Non, je suis une machine de guerre. C'est terminé, mon pote. C'est terminé. On va pouvoir presque s'arrêter là. On va avancer un petit peu quand même. N'abusons pas des bonnes choses. Ah, quel plaisir. Ah, ces épisodes de bonheur. Moi, j'aimerais bien un nouveau flashback. D'accord, pour retrouver Joël. Je suis encore choqué, hein, de ce qui s'est passé. On est encore dessus. Ça fait mal, ça fait mal. Juste au cas où. Hein? Problème, les gars. Juste au cas où de quoi, ma soeur? Ça veut dire que je vais avoir l'arc bientôt. Attends, je suis pas passé à côté de l'arc quand même. Je pense pas. Wow. C'était quoi? Ok, ça va se mouiller. Oh merde. J'espère que c'est toi qui as fait ça, Tommy. J'en compte 3. Oh, ça bouge.
ça bouge beaucoup trop, la visée. Excusez-moi du peu, hein, j'ai pas trop le temps avec ces conneries. Normalement, il en reste qu'un. Ok. J'essaye de me concentrer au maximum. Hop. Et ben voilà, allez. Regardez la haine sur son visage. Regardez. Regardez comme il tire bien. Voilà. Vous voyez? C'est ça que je vous parlais. Les expressions de visage comme ça. Bien appuyées. Elle sent la haine. Elle transpire la haine. C'est ce qu'on veut, les gars. C'est ce qu'on veut. Son seul but et pourquoi elle est ici, elle l'oublie pas. C'est pour arracher tous ceux qui ont fait du mal à Joël et à elle par la même occasion. Et c'est ça qui fait que c'est incroyable. Et c'est juste de l'autre côté. Donc, on passe ça. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure. Il suffira juste d'aller à la fumée noire. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.